Azor Hassan, donc aujourd'hui tu as été à la conférence organisée par l'Association des étudiants marocains en France. Une conférence qui s'intitule « Quel défi pour les chantiers stratégiques au Maroc ?» et à laquelle ont assisté des personnalités du Maroc, des personnalités du monde politique et économique au Maroc, ainsi que des députés et des représentants français, des députés français enfin en France. Le souci, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été refoulées parce que pour faute de place. Est-ce que qu'en est-il exactement? Cette conférence, cette rencontre, qui aurait dû normalement être organisée au Sénat, mais suite à l'email et de la confirmation que j'ai reçue de la part de cette association, que la conférence est transférée à l'Académie diplomatique internationale suite au grand nombre de demandes qui étaient sollicitées par des gens qui, surtout un nombre important des étudiants marocains qui souhaitaient assister à cette conférence. Malheureusement, donc cette conférence, comme je viens juste de dire, était transférée au 4 avenue Hoche, exactement à l'Académie diplomatique internationale. On s'est trouvé à 9h du matin, comme prévu, suite à la confirmation. Donc malheureusement, on ne peut pas y assister à cette conférence. Au début, soi-disant, on était à peu près une cinquantaine de personnes. Donc, soi-disant qu'il n'y avait pas assez de place et tout ça. Donc, on a posé des questions, on cherchait à comprendre comment ça se fait qu'on envoie des confirmations aux gens alors que des places ont été limitées. Donc, c'est-à-dire les organisateurs savent bien combien de places qu'il faut. Je rappelle que juste les organisateurs, c'est l'Association des étudiants marocains en France. Tout à fait, les organisateurs, en fait, c'est... l'Association des étudiants marocains de France. Donc voilà. Donc au début, on a posé cette question qui est légitime. Pourquoi surtout il y a des gens qui sont venus de loin quand même. Moi aussi, normalement, je travaille aujourd'hui, donc le sujet m'a intéressé. Donc on a posé des questions. Pourquoi vous avez envoyé à tous ces gens-là des invitations alors qu'il n'y avait pas assez de place? Ils ont répondu au début que c'était un problème d'organisation et tout ça. C'est vrai, on avait pensé à ça, donc je comprends, et on a tous compris que c'est vrai, ça peut y arriver et tout ça. Donc on attendait peut-être quelqu'un, certain qui est après son propre propriété, etc. Mais malheureusement, on a constaté que, et c'est vrai, ce qui nous a choqué et qui a choqué tout le monde d'ailleurs, juste pour information, vous m'avez demandé de faire cette interview alors qu'on aurait dû le faire devant cet établissement, c'est-à-dire l'Académie diplomatique internationale, mais malheureusement la police et ses organisateurs nous ont empêchés de filmer et de prendre des interviews alors qu'on était sur la voie publique. Voilà. Donc je reviens sur ces raisons-là. Donc alors, ce qu'on a constaté, en fait, moi, quand j'ai demandé que ce n'est pas normal et tout ça, il y a d'autres personnes aussi, j'étais étonné par un agent de l'ambassade, soi-disant c'est un responsable de l'ambassade marocaine en France. Donc il m'a retiré, il m'a demandé de s'éloigner, de venir avec lui s'expliquer. Il m'a dit, vous savez, il n'y a pas assez de monde, moi c'est vrai, je ne fais pas partie d'après ce décideur, bien sûr. Je sais que soi-disant, il ne fait pas partie de l'organisation, il essaie juste de demander un coup de main. Alors, du coup, je lui dis, bon, je comprends, il n'y a pas de problème, donc on va attendre, ils nous ont dit 14h et tout ça. Durant ce temps-là de discussion, on a constaté qu'il y a des gens, et d'ailleurs, ce qui était confirmé avant aussi par ce qui nous a choqué, qui était confirmé par l'un des responsables de cette association, qu'il y a assez vrai des gens, c'était pas dû aux gens qui ont été invités, c'était dû à un problème d'organisation qu'on a constaté que l'ambassade du Maroc a imposé à cette association, à une association,
d'accueillir leurs familles et leurs gens, leurs, je ne sais pas, c'est peut-être des agents, je ne sais pas, en tout cas c'est des gens. Il y a des gens qui nous ont sorti des cartes de l'ambassade, des gens de leur famille et tout ça, etc. Alors les étudiants, normalement, on est cette génération dont le pays compte beaucoup, sur laquelle le pays compte beaucoup, et ils se trouvent dehors, ce qui était malheureux et dommage. Donc les jeunes, il y avait des gens qui ont râlé, qui ont contesté, qui ont crié. Et je fais partie aussi, c'est vrai, à la fin. Donc je dis, c'est pas normal, on se trouve dehors, on se fait traiter comme des chiens, avec un vigile aussi. Bon, moi, on a pensé que c'était un agent de sécurité. Je me suis rendu compte, c'était à la fin, que devant la police, parce que je l'ai interpellé, j'ai interpellé la police, que ce monsieur, que j'ai pensé que c'était un agent de sécurité, n'a pas le droit de bousculer les gens et de le repousser, même à tel point qu'il m'a demandé ma carte d'identité, sur la voie publique. Donc la police est intervenue. Donc après, ce qu'on a compris, parce qu'il faut bien préciser ces choses-là, donc on a attendu jusqu'à midi 30, l'un des ministres qui sort. Il y avait un étudiant qui a contesté devant ce ministre par rapport à l'attitude des agents de l'ambassade et de l'ambassadeur aussi, je pense. Donc, comme il a confirmé d'ailleurs l'un de certains organisateurs, ce qui ne leur a pas plu, donc ils ont fait rentrer après certains. Et je me suis trouvé seul dehors. Les personnes ne voulaient pas de ma tête, que je considère d'ailleurs comme une sorte de discrimination et de favoritisme que j'annonce, qui se trouve au sein de cette association. Voilà. Est-ce que tu penses que cette conférence-là est organisée en coordination avec le consulat et l'ambassade marocaine ? Certes, sans aucun doute. Sans aucun doute, bien sûr, avec tout ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu avec... moi, j'étais en tant que témoin oculaire et d'autres personnes aussi. C'est une conférence, une rencontre organisée par l'ambassade. C'est l'ambassade qui gère. Voilà. Je dénonce le comportement inadmissible et inacceptable de cette association vis-à-vis des citoyens marocains, le comportement des agents de l'ambassade et de l'ambassade qui était présent sur place et qui ont tout constaté, et à tel point qu'il y avait une personne, je le signale quand même, qui venait me voir me disant « Monsieur, votre tête n'a pas plu aux gens, ne vous rentrez pas, c'est pas la peine de perdre votre temps ». Voilà, que je considère que c'est une sorte de discrimination et que de favoritisme, et une sorte de une preuve que le Mahzen est en France aussi. Et j'appelle les citoyens marocains de réagir et face à cette attitude inacceptable des autorités marocaines. Voilà.